Yo les refs, donc nouvelle série en tant qu'habitant des familles sur LSC. Pendant la vidéo, il y aura des bugs de mob, c'est juste parce que j'avais un virus qui utilisait mon CPU à 100%, mais ce sera réglé pour les autres épisodes. Donc je vous explique des trucs que j'ai pas pu enregistrer. Alors déjà, je me suis fait recruter au Burger Shot. Les familles m'ont passé 15% que j'ai perdu. Et j'ai eu le numéro d'un BMF qui me passera des missions. Vous verrez dans la vidéo comment j'ai remboursé les familles. Et les missions qui me donnera le BMF. Et bon visionnage l'équipe. Vas-y. Je peux encore en prendre plein la gueule, patron. Yo. Yo. Yo les boys, ça va quoi? Ouais, ça toi, beau va? gosse. Ça va et vous? Je mets ma tenue, j'arrive. Ouais, vas-y, vas-y. Tu es là-haut, hein, patron. Et venez les boys, hein. Ouais. Moi, j'ai jamais menti de ma vie. Je croise les doigts. Oh mon dieu. C'est peu à l'aise là-dedans. Attendez, on est déjà en février, c'est le carnaval? Quoi? Mais pourquoi alors c'est pour Noël. C'est le thème Noël, monsieur, donc si c'était pas un thème Noël, ça va être difficile aussi. Hein. Ouais, en même temps, Noël le 15 novembre, c'est un peu tôt. Hein. Ouais, c'est pour le mois prochain, monsieur, aussi. Anticipé. Franchement, je veux prendre une photo mentalement parce qu'il faut que je me rappelle de ce moment toute ma vie. Comment ça va, Squall? Vous avez beaucoup non, de choses. Ça se reproduira jamais. Bon, c'est le thème Noël, les panneaux, non? Mais c'est dégueulasse. Non, je suis pas au courant. Mais je crois que le pire, c'est que vous êtes bien sortis tous les deux. Fais les choses bien. C'est vraiment fait dans le thème Noël, par contre. On est Noël, là. C'est trop bien. Eh ben nous, on est... La patronne, elle nous a rien dit. Hein. J'ai plus d'argent pour acheter quoi que ce soit. Oui, j'ai oublié de vous dire, bordel. Oui. Après, autant que je prenne des missions en photo, pour faire un tour à la boutique, hein, je sais pas. Ah oui? Ok. Je vais encore claquer 25 000 balles. C'est une macaque celui-là, je vais te niquer. Bon, venez, on va aller s'habiller. On va aller s'habiller tous ces en mode un peu de Noël. J'ai plus d'avis, j'écoute. Bordel! Comment ça, c'est toi qui conduis? T'as de quoi te véhiculer ou pas, non? Non. Tu ouvres la voiture? Non, j'ai pas. Non? Monte dans le coffre. Allez, monte dans le coffre. Sinon, qu'il lève les bras et tu le portes, Cassou, hein. Oh! Ah, il y a déjà quelqu'un dans le coffre. Je suis là. Les bras. Elle va le porter, elle est trop mignonne. Porte! Non, pas possible, on a rendez-vous avec le Weasel, là. Mets la ceinture, t'en bras pas. Mais, oui. Ouais, il a le bras qui pend. Oui! Oui. On a perdu ta femme, t'as le corps qui pend. La ceinture. Ça va. Patron, la ceinture. Oh, ça va, patron. J'ai oublié la ceinture. Je suis désolé. Oh, t'inquiète, c'est pas grave. Mais du coup, tu peux pas mettre ça, par contre. On se met avec le pull autour de vous, patronne. Oh, mais je vais pas mettre le vieux chapeau de CG, là, ça pue sa mère. Oh, mais. Ah oui, je vais mettre les cordes. Un patron! Regarde! T'as fini, mon beau gosse? Ouais, presque. C'est bon! J'ai trouvé! Ouais, je sais. Désolé. C'est bon, bête. C'est carré comme ça. Ah, très bien. C'est bon. Ah, t'es très bien là. Trop stylé, votre tenue. T'as vu? Wow, ouais, je t'ai cherché, je disais pas moi. Ah oui. Non, y a pas ça pour les garçons. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de. Non, y a pas, je crois. Ouais, je pense pas. Ça aurait été bien une petite tenue Père Noël pour vous. Ouais. Et ouais, la pub, elle sera où? Le Burger Shot, c'est un peu le thème, c'est bien. La pub, elle sera où? Alors, c'est un grand panneau. Il coûte 10 000. Donc, je crois que c'est un big qui doit être pas loin. Bah, c'est carré ça.
Mais je crois que place des cubes déjà. Putain, mais c'est de l'arnaque. Place des cubes déjà, t'as un panneau horizontal. Ouais, ouais, déjà, je crois que je l'ai Burger vu, Shot. Ouais. Tu l'as vu, voilà. Ouais, je bon, j'essaie de panneau à chaque fois, comme ça. Un panneau à chaque mois, c'est bien. Ouais, c'est bien. Et comme tu payes par exemple 10 000 pour combien de temps? C'est pour le mois. Ah ouais, bah c'est carré. Ouais, 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 c'est bien. C'est nickel. Ah, c'est bien. Et on met ça et tout pour décembre, du coup, là, les photos qu'on va faire. Ouais, je vois, ouais. Bah, à moi, c'est vraiment carré. Oui. On regarde Léo. T'es un peu trop, non? Oui, non, tu t'es très bien comme ça. Regarde Léo, regarde, il est trop mignon. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu veux, gros con? T'es trop chou comme ça. Mais je suis au Weasel News là, je fais un reportage sur les animaux sauvages. Ouais, lui. Bah si, si, j'ai un renne devant moi, j'ai un renne enchanté aussi, j'ai des lutins. Non, 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 tu peux pas voir ça, non. Putain, vas-y, je t'envoie ça. T'es prêt? Il monte avec collègue derrière. Sinon, bon, tu préfères peut-être Léo. Léo, ok, moi c'est Marcus. Ça allait. Trop stylé, mon petit lutin. Ça fait longtemps que t'es embauché, du coup? Ça fait 2-3 jours. Ok. Et toi? Bon, ça fait plusieurs semaines maintenant. Mais... Donc t'es un pas trop souvent, quoi. Ouf. Peut-être pas quand même. Donc là, si quelqu'un te parle de ton travail, tu te dis ça fait 30 ans, j'ai grandi dans ce travail. C'est un peu ça quand même, mais pas 30 ans. C'est quand tu deviens patron? Je lui dis de fermer sa gueule. Mais tu deviens chef. Je vais voir avec la patronne, ouais, t'as raison. Ouais, vas-y, essaye de négocier. Mais quand même, faut que ce soit qui t'as pas regardé. Mais un truc, mais soit rentable pour elle. Ah putain. Eh bah super. Ah, ça a quand même été utilisé là. J'avais plus de bon magasin de vêtements. Ouais, j'ai vu la promo sur le magazine. J'ai vu regardez-moi ces ploucs là qui viennent d'arriver. C'est... Ah, j'ai mention spéciale pour le lutin facétieux là-bas. Hein. Merci. On ressemble à... Incroyable. Hein. Ah, ouais. Wow. Ça, je crois que c'était mérité. Mon seul tout compte. Bah du coup, bah venez. Waouh. Je peux vous faire on fait ça demain, j'aurais vraiment une idée. Non, t'inquiète. Vas-y, ciao. J'avoue que nous, pour une fois, on est gâtés. Vas-y. Voilà. Ouais, il y a un costume de Père Noël, mais t'as l'impression qu'il a couché dehors. Pas de Noël, on commence pas en vrai. J'ai pas d'idée, West. Faut que... Ça vous a plu, le panneau du burger? Ah oui, magnifique. Franchement, ouais, franchement, j'ai pris une belle photo. Il pète en bleu comme ça, putain, là, sur la place des cubes. Hein. On va commencer avec monsieur Lerat, ah ouais, ouais, Noël, si ça ne vous dérange pas. Yes. Monsieur Léo. Quoi? Pardon? C'est toi qui dois. Ah ouais, mais vert sur vert, il va se perdre dans le décor, là, je reconnais. Vert sur vert, ça va nous donner surtout beaucoup de boulot. Nickel. Moi j'ai un burger. Ou une canette, ou je sais pas. Il est trop mignon. Il faudrait que vous soyez un peu plus de profil. Ah oui, comme ça on voit genre, comme si vous accueillez quelqu'un en fait à l'intérieur du... Ah ouais. Est-ce que je veux dire ou pas? Ouais, je vois. Comme ça. Bon ouais, mais un peu plus En fait votre main elle aille vers l'arrière, vers le fond vert. Okay. T'as quelqu'un de rentrer là. Ah, un peu plus vers moi. Légèrement. Voilà, nickel. Nickel. Correct. Burger Shot, meilleur que le Crucial Fix. Uh-huh.
C'est bon. Vas-y les boys, moi c'est bon. Gap. Cours, cours, cours. Ça tout de suite par mail, je m'en occupe tout de suite, je te fais le virement. Immédiatement. Bon. Merci à cool, merci beaucoup. Ouais. Ouais, j'ai un supprimé mon fichier, faut que je le retrouve. Merci beaucoup. À plus tard. Désolé, comment ça va? Ça va et vous, boy? Oui, ça va. Boy, désolé de te déranger. Je voulais te demander, boy, s'il te plaît, j'ai rien de quoi bouffer et tout. Si t'as pas un peu d'argent à prêter. Et je peux... t'as pas un bon de super-hat, viens. Non, j'ai pas. Viens. J'ai rien, boy. Salut les gars, comment ça va? Ouais, bien quoi, tranquille, quoi. Herman, tranquille. Yo. Là, je te fais un petit sac. Putain, je veux de la thune. Pas de la thune, passe pas à manger. Merci, merci. Pas grand chose, mais c'est ça. C'est pas grave, c'est déjà bien, monsieur. Merci. Mais les gars, comment ça va? Ouais, ça va bien, toi, tranquille. Ouais, je peux faire pour vous? Une question, j'ai un bon de. Alors, il m'a donné quoi dans ce sac de quoi? Ça va, 5 sandwichs. 5 bouteilles d'eau. Oh, il m'a mis bien. Voilà, faut juste demander, les gars. Yo boy, ça va ou quoi? Toi mec. Ça va comme tu veux te rebouffer. 7 menus burgers s'il te plaît. Big burger ou bien petit menu? Des burgers classiques. Ok boy, je te remets ça tout de suite. Merci mon pote. Voilà boy. Nickel. Je te fais la facture maintenant ou bien après? Vas-y. Non, vas-y mec. Tu peux. Voilà. Merci boy. Moi qui te remercie mon pote. Passe une bonne soirée, fais attention à toi. Bon appétit. Merci mec.
Oui. Pour le bien de l'humanité, Petri Fucus, Fontanis. Yo boy. Yo man, comment tu vas man? Ça va et toi boy? Alhamdulillah, il a bel alamin. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? T'es raciste? Non, mais pourquoi je vais être raciste? J'ai la même question. J'ai une question pour toi. Le fait de dire le mot Inch'Allah, est-ce que c'est religieux ou c'est bien seulement de l'arabe? Ça veut dire quoi Inch'Allah? D'accord. D'accord. Monsieur, est-ce que vous êtes raciste? Non, pas du tout. D'accord. Que pensez-vous du débat entre Monsieur Mélenchon, JL Mélenchon, et Monsieur Zemmour? Zemmour, c'est un... C'est un? Zizit les serres, hein. Ok, d'accord. D'accord, très bien. Ensuite, développé, hein, d'accord. Par rapport à quoi? Il est raciste. Ouais, ouais, il est raciste, il veut virer des Donc là, arabes. Vous assumez, voilà, directement, que vous condamnez Monsieur Zemmour en tant que raciste. Ouais, c'est ça, boy. Donc vous savez que vous allez équiper à une peine de prison ferme pour incitation à la haine. Pas grave, boy, au moins on aurait dit les termes. Dealer. Ça m'a fait rire. Bon, je vais vous laisser, hein. Vas-y, bonne soirée, boy. Et juste me refais plus coup, s'il te plaît. De quoi? De m'avoir fait peur. Genre ça? Konnichiwa! Shintaki? Ouais, c'est ça, boy, ouais. Attends, je vais regarder un truc. Vas-y. Insupportable, ton boss. Ouais, t'as vu, c'est trop beau. Sur mon gars, il y avait un chat sur ton épaule. Ah. Il casse les couilles. Ah. Ouais, ça va, boy, ouais. Ça va, ouais. Excuse-moi, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as dit, fais attention. Oui, elle est trop jolie, cette moto. Oh, t'es blessé. Ouais, boy, t'as pas un bandage. Oh, je suis désolé. Bah, tu sais quoi, j'arrive. Vas-y. Surveille ma cochée, d'accord, j'arrive. Charles là. Ah. Il casse les couilles. Ouais. Alors bon, vous bougez pas, monsieur, je vous applique cela, d'accord? Ouais, okay, c'est vrai. Okay, boy, ouais. Excuse-moi, j'ai regardé TF1 tout à l'heure, c'est pour ça. Ah ouais? Et il parlait de quoi? Mais, il parlait du coup, est-ce que le port de voile a le droit d'être porté sur un voile, un voilier? Les voiles, c'est le truc des bateaux, là. Non, on parle bien du voile. Ah ouais, le gros. Moi, je ne comprends pas pourquoi ça dérange. Parce que on laisse des rappeurs, d'accord, Ziak par exemple, je donne pas de nom, hein, mais Ziak, on le laisse être masqué dans le visage, d'accord, ouais. Faire du vandalisme auprès de la police, d'accord, mais les femmes voilées, ça dérange. Je comprends pas. Moi, je suis quelqu'un de juste. C'est du racisme. Ah mais, je rigole. Moi, j'en sais rien. Ouais, non, mais j'avoue, moi, je trouve ça bizarre un peu quand même. Vas-y, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée, boy. Yo, boy. Hey, boy, j'aurais une question. Dis-moi. Est-ce que vous pourrez vraiment pas me dépanner un peu d'argent, s'il vous plaît? Ouga, ouga, ouga. Parce que là, j'ai des dettes à payer, je suis en galère. Des dettes? Négatif, ouais, boy. Et tu nous connais, toi? Non, boy, au contraire. Je viens voir que moi je te connais. Ah ouais? Je te connais? Ah ouais? T'as fait comment? Parce que je te connais pas du coup. Je me connais ou je me connais pas? Ah, est-ce que j'ai dit est-ce que moi je te connais? Non, parce que. Je te connais pas. Ok. T'as fait comment? William. Donc tu travailles pas, William, t'es SDF? Tu fais quoi dans la vie, ouais? Je travaille au Burger Shot, mais. J'ai pas de logement, l'État veut pas me payer et tout. Et pourquoi tu te sers pas de l'argent que tu gagnes au Burger Shot pour t'acheter un petit appart? Bon, en fait, je peux pas gagner l'argent du Burger Shot, mon salaire il peut pas. Je reçois pas mon salaire, ouais. Comment ça?
Bah les ah, il a pas il a ouais, pas d'apport. Les coups durs. Mais ok, mais son salaire du Burger Shot, on le paye quand même au Burger ouais, Shot. Ouais, t'as forcément des primes quand même au Burger Shot. Des primes quand tu vas bosser là, je sais pas, tu fais pas ouais, des burgers toute la journée ouais, gratos. C'est chaque dimanche les primes. Mais moi je viens de commencer à travailler le dimanche. Donc okay. J'ai pas les primes. Bah viens avec nous mec, on va parler un peu. On va plus rester ici. Mais le problème c'est que. Il suffit juste que tu te foires. Ça peut tous nous mettre dans la merde en fait. Ouais, donc déjà on va parler un petit peu pour voir si t'as la tête sous les épaules. On va monter là-haut là. Quoi mec. Et vous pouvez monter un petit truc tu vois. Bon vas-y du coup. J'explique. La weed, on peut t'en fournir, tu la vends. D'accord. Par contre. Ouais. Cette weed gun, on est d'accord qu'on te la donne dans tes mains. Ouais, boy. Tu la vends. Donc forcément, il y a une partie, surtout le coût d'achat. Qui revient à vous. Qui me revient à nous. Et on va te donner une partie du bénéfice. Je vois, boy, boy. Même ce qu'il faut que tu aies la tête sur les épaules. Parce que si tu te fais attraper... Tu perds de la weed qui n'est pas à toi. On est d'accord, gars. Ouais, boy. Perdre de la weed, c'est nous qui avons acheté. Donc, tu nous dois de l'argent. Ouais, et là, t'es en train de me dire que t'as besoin d'argent. Donc, le souci, c'est que, imaginons, là, je te passe 50 sachets à vendre. Tu m'en perds 10, tu peux même pas me rembourser. Donc, comment tu comptes faire? Juste une petite question. Je sais pas, boy. Ça c'est une vraie question, je sais pas. C'est pour ça que j'essaie de trouver n'importe comment pour faire de la chose. En gros, regarde. Si par exemple, ça peut arriver, si tu les perds, t'en perds 10. Ouais. Qu'est-ce que t'es prêt à faire pour pouvoir récupérer, pour pouvoir rembourser ces 10, en gros, tu vois ce que je veux dire? Ça arrive d'en perdre 10. Mais après, derrière, qu'est-ce que tu pourrais faire? Est-ce que tu vas travailler plus? Est-ce que tu vas... Bah, je vais plus travailler, je vais vous rendre... je vais essayer de vous rembourser avec l'argent du Burger Shot à la fin de la semaine. Je vous rembourse le double, tu vois, j'essaie de vous convaincre au maximum. Ouais, tu vois, c'est ça, nous on veut quelqu'un qui a la tête sur les épaules. On veut pas te dire quelqu'un qui va réussir tous ses plans à chaque fois et que tout va marcher. Tu vois, ça, on est conscient que ça arrive pas tout le temps. Ouais. Par contre, derrière, il y a des gens qui, quand ils font ça, ils perdent. Derrière, bah, ils font quoi? Ils se débinent, tu les revois plus ou faut leur courir après. Et t'en as d'autres qui ont la tête sur les épaules, qui se disent, ouais, ok, ça arrive. C'est tout, je vais me rattraper. Je vois, bah ouais. Bah moi, dans tous les cas, je me rattraperai. Et du coup, le bandana. Ah ouais, excuse-moi, je voyais pas la couleur de ton bandana, je suis daltonien. Ouais, c'est noir, c'est ça? Ouais, c'est pour le style. Ouais, c'est le style. Ouais, c'est stylé les bandanas. Attends, moi je les préfère avec le nœud devant. Ouais. Oh, vous aimez beaucoup le rouge. Ouais, pas mal. C'est joli non comme couleur? Ouais, c'est trop joli le rouge. T'aimes bien toi le rouge? Ouais, j'aime bien. C'est parmi mes couleurs préférées, le rouge, le noir et le blanc. Rouge, noir et blanc. Ouais, c'est ça, bouille. Ouais, noir, j'avais deviné. Ouais. Blanc là, c'est un peu plus compliqué à voir. Ah ouais. Ah, parce qu'aujourd'hui, c'est outfit noir, bouille. Ouais, t'es arrivé quand toi en ville, tu m'as dit hier? Non, dimanche j'ai commencé à travailler pour Burger Shot, je suis arrivé en ville il y a 3 jours. Ok. Juste samedi. Ouais, ça se passe bien. Bon, ouais, ça va, mais. En fait, je me suis fait attraper par les cops. Ah, on prend quoi? Conduite sans permis et vol de véhicule. T'as pas passé le permis? Non, bah oui. C'est-à-dire que toi, t'as vraiment pas de thunes pour l'instant? Ah, rien. Toi, t'as mis toutes tes thunes dans la sap. C'est ça. Non. Un vrai New Yorkais, celui-là. Pourquoi t'as mis tes thunes? T'es arrivé sans rien, t'as même pas pris d'argent pour venir. Ouais, oh, t'as fait quelque chose à New York, c'est pas possible, t'es recherché? C'est la boîte. Ouais, boy, je suis recherché à New York, c'est pour ça que je suis venu ici. Recherché par qui à New York? Par les cops. Par les cops, c'est encore plus dangereux que
c'est encore plus dangereux de te mettre dans la droite dans sur les mains alors. Par les cops et par les cops c'est vite fait. C'est plus vers mon frère qui sont recherchés. Mais je suis plus recherché par un groupe à New York. Mais il est où ton frère? Tu me parles beaucoup de ton frère, mais il est où ton frère? Il est resté à New York, j'ai fugué, bon. Il me causait trop de problèmes. Ok, ok. Toi t'en penses quoi, gars? Parce que le problème c'est qu'il a pas de sous. Imagine, nous ils perdent notre drogue. Bon, après on est obligé de te choper, on est obligé de prendre tes sapes. Il m'a dit, je suis prêt à bosser encore plus, si je perds de la matière, je suis prêt à bosser encore plus au Burger Shot pour rembourser. Dans tous les cas, je me rattraperai. Bah. Après, au Burger Shot, c'est qui déjà? C'est Rami de là-bas. Ça bosse là-bas, il y a du boulot de toute façon au Burger Shot. Ouais, mais il y a pas mal. Ah, mais ça paye pas le Burger Shot. Ah, mais c'est pas grave, ça, les charbonneurs, ils trouveront un taf qui paye plus. Hein. On connaît des tafs qui payent. Mon boy, vas-y, donne-moi ton numéro déjà. On va commencer par ça. Après. On peut commencer par une petite quantité. Bientôt dormir ou t'es là pendant un petit moment dans la soirée là encore? Ça dépend, boy. Quand tu dis un petit moment, c'est vers quelle heure? Hop. Jusqu'à minuit déjà. Tu seras là ou pas? Ouais, je pense. Vas-y, mais je t'envoyais. Attends, je t'envoie un message déjà. Excuse-moi. Ça, mais tire-moi. Et je t'enverrai un message où je t'appellerai. Pour te parler. Vas-y. Plus en détail plus tard de tout ce qu'on pourra te. Okay, boy, tout ce qu'on pourra te donner, les pourcentages, etc. Ça te va? Vas-y, boy. C'est bon? Vas-y, on se repose où? Là où 24-7. 24-7? Ouais, ça va. Mon boy. Yo, boy. Yo, boy. Allo? Allo, ouais, tu m'entends? Ouais, je t'entends, boy. Ouais, ça va tranquille, mon gars. Ça va tranquille, toi, boy. Ça va. T'as toujours besoin d'argent, là, ce que tu m'as dit, là? Ouais, boy. Moi, si j'ai un truc à te proposer, en fait, je vais remplir un Rumpo de sachets de weed, ok? Ouais, boy. Il y aura 60 sachets de weed. Avec 60, quand tu revends, c'est 6000 environ. Ok, boy. Moi, ce que je peux faire, parce que j'aime pas donner juste de l'argent comme ça, je vais te filer un boulot, c'est que je vais te mettre dans un Rumpo, je vais conduire un Rumpo. Il y a des. Forcément, t'auras des gants qui vont essayer de te taper. Okay. S'ils tapent, ils vont rien te faire, ils vont juste prendre le rumpo et garder le contenu. Okay, toi, si t'arrives à fuir, en allant du point A au point B, le contenu du coffre est à toi. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, boy. Ok, donc t'es tout seul, t'as des gens avec toi? Non, je suis tout seul, là, boy. Ok, ben je vais t'envoyer une pause, je récupère le rumpo, moi je mets toi en place, donc reste dispo. T'as une voiture? Non, j'ai rien. T'as pas de voiture? Non, boy, j'ai rien. Bah, pendant que je prépare tout, démarre-toi pour voler une voiture ou une moto, ok? Vas-y, boy. Donc tu m'as dit que tu me donneras un rumpo et si je réussis à livrer le contenu. Du point A au point B, tu gardes le contenu. Ok, ok. Mais pas le rumpo, moi je récupère le rumpo. Ok, boy. Ok, vas-y, je te tiens au courant. Vas-y, merci, boy. Ouais, boy. Ouais. T'as quoi comme voiture? J'ai une compacte. Elle est pour moi. Parce que, rectification, je vais te. En gros, moi, je vais ramener 62 weed. Ouais. On va remplir ton corps de ta voiture et tu devras fuir avec cette voiture. Donc, choisis bien ta voiture. Ouais, t'inquiète, boy. Donc, viens au. Tu sais où le hood des BMF ou pas?
Le ult de BMF. La super raid de Del Perro, tu connais? Ouais, je connais. Viens la super raid de Del Perro. Ok, bon. Vas-y. Ouais. C'est bon, boy, j'y suis. Ouais, attends, je suis en bas là, vers toi, j'arrive. Vas-y, vas-y, boy. Ouais. Laisse-moi le volant, mon gars. Vas-y, vas-y, boy. Je suis pas assez en d'acheter un truc dans la super raid si tu veux, tiens, je file un peu de thunes. Tiens, achète un truc, je reviens, je vais charger ta truc, ok? Vas-y, vas-y, merci. J'ai des... Vas-y, monte mon frère. Ça va comme boy? Ça va ton boy. Ouais, la femme, la femme. Oh, Taïden. Ta voiture elle est en souci mon ref, donc on va t'en prêter une. Vas-y, vas-y, boy. En gros, pendant qu'on chargeait la chop, il faut dire qu'elle est passée, elle s'est cassée avec. On va te prêter une félone, full perf. Vas-y. Donc je pense que ça sera bien. Et t'as pas pété par les cops parce que ce sera de la merde que t'auras. Okay. C'est de la merde que t'auras. Mais les cops, comment ils vont savoir que je l'ai pas de la merde? Non, mais si jamais ils vont en excès de vitesse, ils te voient quoi. Si ils vont en excès de vitesse et qu'ils voient une armada de chop derrière toi, bah. Ouais, je vois. Faut qu'on s'assure. Après, t'es bon en conduite ou pas? Ouais, je suis bon, boy. Si tu fuis, t'as 62 mètres pour toi et ça fait combien la revente environ, Aaron? 60, ça fait 60 x 210. Oui. À peu près sur 12 500, quoi, en gros. Ah ouais, lourd. Ouais, après, faut que tu réussisses, t'auras pas mal de gens derrière toi. Ouais, je vois bien. En fait, on n'a pas le maximum de monde et sur le nombre de personnes qui est à TFS, on met soit de la weed, soit de la coque, soit de la mettre dans ton coffre. Ok, et là, il y aura qui derrière moi? Black Disciple, Red Jax, Family's Ballas. Ok, ok, bon. Bah, Ballas, c'est pas 100% encore. C'est en cours. Voilà, je vais pas te mentir, on te met une Felon. Sincèrement, Felon, c'est une primo custom en mieux. Ok, ok, bon. Ça tient bien la route, ça bombarde. Et c'est. Ton prénom, c'est déjà, c'est Marcus, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Évidemment, hein, je le précise, mais tu vois, nous on rend des services, on te met bien normal, hein, la cause afro, mon frère. Mais voilà, si t'as des infos, n'hésite pas à me les dire. Peu importe ce que t'entends dans la rue, tu me dis comment ça marche. Tout m'intéresse. Après, savoir que si tu te débrouilles bien, genre si même si tu perds la cargaison, si là, tu fais une belle course poursuite, que ça dure un peu de temps, ou même si t'as envie de t'améliorer, hein, tu viens nous voir et puis on peut refaire ça régulièrement, tu vois. Vas-y, bro. On te met ça à disposition. Vas-y, boy. Et le point de livraison, c'est où? Il n'y a pas de point de livraison. Du moment que tu les appuies au cul, t'appelles Aiden, mon frère. Ouais. Et tu lui dis, écoute, là, c'est bon, j'ai réussi à la semer. Et là, on te dit, ben, bravo, tu peux garder la cam. Tu vas déposer la cam chez toi, tu nous rapportes la chop, et puis voilà. Vas-y, boy. Donc, ouais, frérot. Ouais, il y a tout dans le coffre. Ouais. Tiens au courant, parce que moi j'ai que les balas en numéro, donc tiens au courant les... ouais. Ceux que t'as appelé toi, mon frère. Vas-y, Kobe, appelle tout le monde. T'as appelé les familles, là? Moi j'ai pas familles, moi. Pars pas maintenant. Vas-y, vas-y, boy. Marcus Smith. Voilà, bah c'est lui, il avait besoin d'un peu de thunes, on lui a proposé ça, il est chaud. Puis en même temps, on va voir comment il conduit. Vas-y, vas-y, bah tu me tiens au courant. Vas-y, carré, bonne soirée. Deux, il finit un petit truc et il se met en route. Vas-y, attends, je pose les berettas. Posez tous vos berettas et on va monter avec lui au pire. J'envoie un message, j'ai pas de beretta sur moi, mon frère. Voilà, on va assister à ça. Vas-y, le boy. Ouais, yo. Si, si, ça va, ça va. Je suis sur les affaires. Ouais, ils sont là. Ouais, c'est ça, alors. Ta famille, ils aussi derrière toi. Dans une chope, ah, a changé. Là, ça y est, t'as de là, boy. Tant que les Black Zeppel, ils... C'est sûr, ça.
Bah dis donc. Continue, roule. Mon frère Red Jax là, il abuse un peu. Ah les frères. Pas de sommation, mais il arrive, il pique direct. Il arrive, il nous a enculé, ça se tient du temps. Non. Ah, tu sais pas, ouais. Voilà. Là, t'en as assez, mais là. T'as du monde là. Jamais je vois ça repeat comme ça, boîte à outils, j'ai tout ce qu'il faut. C'est drôle d'avoir autant de monde derrière nous. Toujours, qu'est-ce que c'est drôle d'avoir une arme derrière. Qu'est-ce que j'aimerais pas être au volant? Oh, yo. Et on a la Sultan hors jeu. Ok, la Sultan qui est maintenant hors jeu, une petite feinte sur l'autoroute, ça a failli manger. Ok, il continue plus droit, il refait une petite feinte, c'est passé, une buffalo en moins, on a plus que la primo. Ok. Ok, on voit que le petit Marcus joue sur les feintes de l'autoroute, hein. Dis-moi, est-ce que tu veux une petite musique, Marcus? Ouais, s'il te plaît, bon. Fais ça. Oh. Wait for it. De Constantina. Oh, il s'amuse un petit peu. Je suis dans la ville soltar. J'emmerde tous ces bâtards. Je dors pas loin du pétard. Diego Constantina. Je suis dans le bas soltar. J'emmerde tous ces bâtards. Je dors pas loin du pétard. Diego Constantina. Ouais. Putain, nous a vu à la cave, allez vite, vite, vite. Je suis dans le barrio et je rafale les flics. Diego Constantina, oui, c'est bien moi. On s'est déjà croisé, t'étais dans le noir. Je les vois tous, ils détalent. Coup de pompe dans ce putain. Pamélie, je suis banal. Un point, une arme en main. Je découpe bien les tiens. Je dois faire cocaïne pour mettre bien les miens. Une parole qui est trop forte, je peux t'enlever la vie. Si tu es trop fort, je sors le mili. Et je vais te gifler, toi et ton équipe de bouffeurs de beat. Je suis dans les temps, je tue des gens. Ta soeur a déjà tué sur ma bite. Je raconte Marcus qui est en train de me dire. Moi je suis dans le lit de ta cisse et si on t'attrape j'aurais qui la cisse. Évidemment que tu connais le nom de ma team, c'est eux qui vont te kill fils de pute. Je dis pas pour les niquer fort, on m'a dit l'argot sur la tête trop fort. Je reviens pour les mettre à mort, je viens dans ton quartier pour les mettre d'accord. Eh fils de pute t'es pas d'accord, tu vas sentir le coup de pompe t'es mort. Si je fais pas la moins qu'à t'après descendre, je vais fumer ça t'arrange pour le score. SOTIS ou la mafia, Uzi Glock qui est tout le temps le débarras. Je porte casquette pour scanner Kaira. On a baisé le top, c'est son feu de l'Obsa. Normal, l'argot toujours dans les packs. Banal, niveau expert comme le bac. Des rookies, des fake rappeurs. Quand je vois ça d'un roche, lui vole son cœur. Vole son cœur, c'est de salope. Quand j'ai vu Flippa, je sais qu'il galope. Des fils de riches dans la rue qui font les malins. Attends que je le chope. Attends que je chope ce bâtard. Si je le recroise, c'est direct le chocage. Tu peux te barrer, il était trop long. La Buffalo n'a pas géré, c'est pas grave, vas-y, continue. Ah oui, les joueurs, attends, je reviens sur eux. Ah oui, t'as pas peur, toi. Je voulais pas que tu devais les sentir mettre. Dans la bucage, des tâches, mes otages, on les abat. Suite logique, c'est le coma, je découpe leur corps, je laisse pas leur cadavre. Ils passent en famille, tu connais mon blase, tu cries en concert, c'est ça mon putain. Et mon petit poussin, tu cries sale catin quand je vais te courser, t'as plus de stamina. T'as plus de stamina. Ouais, t'as plus de stamina. Ouais, t'as plus de stamina. Wouah, wouah, wouah. J'encaisse les sous à ton père. Je veux ma vie là sur la mer. J'ai pas besoin de Katariga. Comme un impuissant. On a l'erreur. Ouais, c'est ça, du tout, une branche. Oh, c'est culotté, Trois voitures maintenant, Pas deux. Non, il y en a trois, je crois. Il y en a plus qu'une. Il y a deux primo et le buffalo, frère. Et les Red Jack avec le berry.
J'ai tabassé 3 vuleurs, c'était Phil, Smiley et 50. J'ai débarqué la nuit chez eux, j'étais accompagné de Santi. J'ai carotte la Xbox de 50 pour jouer à Skyrim. Je suis rentré au barrio, on a fini le jeu avec Santi. Jusqu'à mi prime au démarrage, j'ai lâché une perle dedans. J'ai scanné 3 vendeurs de soirée, c'était deux noirs et un chinchang. Continue à stream le LTD pour que l'assassin me rentre. Acheter les t-shirts LTD, bientôt on sort les cardigans. J'ai tabassé un chinchang, je crois bien que c'était un violeur. J'ai appelé Santi le super-héros pour braquer ce violeur. Est-ce que tu n'es pas connu? Ah, ça c'est là, oh l'erreur, oh Vas-y, boy. Bien joué. Ça veut dire que je viens de tester. Donc je me suis pas arrêté, boy. Bah t'as bien fait de pas t'arrêter, man. Ce qu'on veut, c'est pas la facilité. Ah, ok, boy. Bah moi au début, j'étais prêt à m'arrêter pour vous, boy. La chasse est toujours meilleure. Le gibier est toujours meilleur quand la chasse est compliquée. Je vois, boy. Ça va, t'as kiffé ta petite chasse à l'homme? Ouais, c'est trop bien, j'adore, ouais. Ouais, imagine qu'un jour, ce sera pas des familistes derrière toi, ce sera des ennemis. Je ferai tout, boy, pour leur fuir. Descends, je vais te présenter au gang. Vas-y, boy. Y'a un triple. Yo le boy. Ouais. Ah, c'est un truc de fou. C'est lui, le petit Marcus, là, le petit forum. Qu'on a coursé là, tout le long pour récupérer la dope. Ouais. C'est toi? Ouais, c'est moi, boy. Incroyable. Ok. Et apparemment, bon voilà, il s'est piloté, hein. De ce qu'on avait vu. Moi, j'ai pas trop vu, je vais pas te mentir. Ok. Eh ben tu sais quoi, viens demain, t'es là demain soir ou pas, ouais, Marcus? Boy. Ouais, je suis là demain soir, boy. Tu peux être ici à 21h30? Ouais, boy. Vas-y, pas de soucis. Avant, OG, parce qu'à 21h30, il y a Brawl avec les Vagos, donc c'est avant. 21h demain, c'est possible, ouais. Vas-y, 21h, parfait. 21h, boy, parfait. Vas-y, pas de soucis. Vas-y, on fait ça. Bon, en tout cas, bien vu. Vas-y, merci le boy. Bah là, je vais aller me coucher. Ah oui, le boy, j'ai quelques informations. Ouais. Alors, tout à l'heure, j'étais en train de traîner. J'ai essayé de demander de l'argent pour essayer de vous ramener des informations. Et j'ai le numéro de quelqu'un qui s'appelle Red, qui est prêt à donner de la weed à n'importe qui pour de l'argent. Ouais, c'est un boy des Red Jacket. Ouais, ok. Bah, j'ai le numéro si vous voulez, je compte vous donner l'info. Ah ouais, on l'a déjà, t'inquiète pas. Merci, merci, mon boy. Tu gères. Vas-y, bah c'est tout ce que j'ai trouvé. Si je trouve un autre truc, les boys, je vous le passe. Hyper. Kai, Marcus. Vas-y, c'est carré, les boys. Bonne soirée à vous. Si vous voulez un truc vas-y, à manger. Vas-y, fais-le, boy. Si vous voulez un truc à manger, passez au Burger Shot. Je travaille vas-y, là-bas. Vas-y, dis-le. Y'a pas de problème. Vas-y, les boys. Passez une bonne soirée, Marcus. Vas-y, bonne soirée, les boys. Oh. Tire-toi avant que je te batte le cul, t'as vu. Je gagne pour la famille, on est baigné. Je suis venu tout droit comme un cardiste. T'étais pas ready quand j'ai sorti le liquide. Cagoulé armé dans la berline. On a voulu la blinde à l'art du gamin sur la popo. Depuis la légende du bac à sable, à la recherche du dîner.